En 2011, quelque chose d'étrange s'est produit sur Facebook. Les utilisateurs ont découvert le compte de Karine Catherine Waldegrave. Ce compte a posté des centaines de messages troublants en l'espace de quelques heures. Ces messages ressemblaient aux divagations d'un fou, adepte de la théorie du complot. Le plus dérangeant n'est pas ce qu'elle a dit, c'est le fait qu'elle ait eu une conversation avec elle-même. 5 à 700 réponses énigmatiques ont été postées dans un délai de 12 heures. Peu de temps après, plus aucun message n'a été posté, étant même supprimé, tout comme le compte Facebook de Karine, laissant derrière lui beaucoup de questions et un mystère inexpliqué sur le destin de Karine. Selon son profil Facebook, Karine est née à Londres et a étudié à l'Université de Toronto au Canada. Selon son profil, elle a beaucoup voyagé et parle plusieurs langues différentes, dont le français, l'estonien, le letton, l'anglais, le russe, le latin et l'allemand. Cela s'est d'ailleurs vu dans les réponses multilingues qu'elle faisait à elle-même. Cependant, la plupart de ses messages étaient en anglais et se lisaient comme des phrases hachées à partir de textes aléatoires. Lorsque d'autres divagations étranges ont commencé à apparaître, les choses ont vraiment commencé à devenir bizarres. Il y a eu une rupture totale entre les messages cohérents et incohérents, et cela en à peine 24 heures. C'est à cause de ce changement que de nombreux internautes ont commencé à remettre en question la santé mentale de la femme. Le mot schizophrène est apparu à côté du lien vers son profil Facebook dans de nombreux forums en ligne. Dans son profil, il n'y avait que de très rares images personnelles de Karine. Curieusement, ils ont tous montré des signes de dommages, comme si elles avaient été stockées dans une zone humide avant d'être scannée. Karine mentionnait aussi le FBI et la CIA, parlant d'être contrôlée et surveillée par les hommes en noir. Elle évoque les agissements illégaux et pervers de l'élite et comment elle connaît plusieurs réseaux criminels internationaux. Cela a bien sûr suscité des théories sur sa possible implication dans un tristement célèbre projet gouvernemental américain, le MK Ultra, qui est un projet visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. Cependant, plus vous lisez ces messages, plus il devient évident que rien du tout de cela n'a de sens. Parfois, les paragraphes se succédaient avec des textes de plus en plus absurdes, le tout publié à moins d'une minute d'écart les uns des autres. Ce qui soulève alors la question de savoir si cela se fait via une programmation intelligente, se connectant à Facebook et testant les publications automatisées. Cela semble possible, non ? Je serais d'accord avec cette théorie s'il n'y avait pas le fait qu'à travers ces messages, il y avait une certaine forme de structure dans ce qu'elle a écrit et ses conversations, un genre de message caché. Ce qui m'amène à ceci, le compte Facebook de Karine aurait-il pu être un journal de communication d'espionnage moderne, une sorte de station de nombre pour un réseau social qui ne peut être déchiffré que par des espions? Ou était-ce une personne extrêmement intelligente qui a craqué et a commencé un journal en ligne de sa déchéance mentale? Quoi que vous en pensiez, une chose est sûre, Internet n'a jamais eu de nouvelles de Karine depuis son dernier message.